Au premier abord, on se croirait dans les rues de Venise. Venise et sa lagune, une des merveilles du monde, inscrite au patrimoine de l'UNESCO. Mise en lumière au cœur de Nemosus hier soir, école, association nimoise ouvre les festivités en rythme. C'est super, ça se passe super bien. La calandre est à immatière. Et puis on s'amuse comme des fous. Second tableau poétique au patrimoine de l'humanité, celui du Japon et du mont Fuji. Ce soir, c'est la fiesta pour les Nîmois. Il faut participer parce que vraiment, ça fait plaisir. On fait plaisir aux gens de la ville, aux enfants surtout. Des merveilles emblématiques qui font écho à la candidature de Nîmes et ses traditions. On représente la ville, on représente la Sévillane, c'est nos valeurs, quoi. C'est la culture de la ville de Nîmes. Puis l'UNESCO aussi, c'est ce qu'on demande? Ah oui, ben on espère, on croise les doigts, on a tous voté pour et puis ça va le faire. L'Espagne et son flamenco, classé lui aussi. Le Corcovado surplombe la foule. Batucada, cariocas en piste. Les Ambiens, c'est l'association Barracão. Anime. Et la foule est présente en sans faute pour les organisateurs. On est satisfait. Tu as vu le monde qu'on a eu ce soir, donc on est plutôt ravis que les Nîmois soient déplacés en masse. Et puis une très bonne ambiance. Un millésime exceptionnel cette année avec le traditionnel crocodile cracheur de feu et d'espoir pour la ville de Nîmes.